Salut, c'est l'heure du point définition design du jour. Aujourd'hui, je te parle de bichromie. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce terme, il est parfois accolé à un autre terme qui est la fausse bichromie. C'est tout simplement le fait d'avoir dans une composition uniquement deux couleurs. En général, du noir et blanc. C'était très utilisé avant avec le bitmap. Donc c'est quand tu vas avoir, par exemple, un niveau de seuil de deux couleurs. Donc le seuil, on le reverra dans une autre définition. Et donc, très très peu de contraste sur ton projet, sur ta photo, ton illustration. A l'inverse, la fausse bichromie qui existe aussi, c'est quand on va avoir plusieurs nuances de gris. En général, c'est des gris colorés, c'est-à-dire qu'on va avoir toutes les nuances possibles entre 0 et 255 pour une couleur donnée. Mais ça, on en reparlera plus tard. Si ces définitions te plaisent, abonne-toi et puis rate pas les prochaines. Salut!